Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, unboxing en partenariat avec la boutique DIY Choose. Ça faisait un petit moment qu'ils ne m'avaient pas demandé de partenariat et là, ils m'ont reproposé, donc j'accepte volontiers. C'est une boutique qu'on n'entend pas beaucoup parler et ils ont de très très beaux produits à prix abordable. Du coup, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas fait la conversion du dollar en euros, mais maintenant l'euro, du coup, par rapport au dollar, c'est équivalent. Donc, de toute façon, je vous mettrai le lien de la boutique ainsi que le lien des articles en barre de description si vous voulez voir plus de détails et voir le prix en euros convertis. Je suis désolée, d'habitude je convertis, mais là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pas converti, c'est pas grave. Du coup, pour info, ce colis a mis 11 jours à arriver. Et j'avais un budget de 15 dollars et j'ai pu choisir deux produits. Donc il y a un produit Diamond Painting et un produit Point de Croix. Voilà. Donc on va choisir le produit en Diamond Painting que j'ai choisi. Donc voilà, pas de suspense, c'est un carnet. Vous savez que j'adore les carnets. Et c'est toujours utile. Donc avec, vous avez un toolkit de base, si les colle barquettes et une pince en plastique qui sert pas à grand chose, mais elle est là. Voilà. Donc les diamants, donc on va voir après. Et là, donc c'est dans une pochette refermable, donc celle-ci je la garde moi. Et voici le modèle. C'est un nouveau modèle, ça fait partie des nouveautés. Et c'est un chocolat chaud, voilà. Donc, avec des petites gourmandises là, et puis avec la petite meringue là, c'est trop trop bien. Donc, ça colle super bien. La colle est juste, voilà, vous voyez très bien que le reflet, c'est juste sur là où on doit diamanter. Donc, il faudra en coller quand même. Hein. Moi, j'en colle tout. Je vous approche pour vous montrer l'impression. Donc là c'est super bien imprimé. Donc c'est un carnet en format A5. Il y a une couverture en simili-cuir et l'intérieur est non ligné. Voilà, 50 pages. Et donc il est, moi j'ai trop adoré le devant. Donc, on va voir les strass. Voilà, donc c'est des strass. Alors il y a du rouge, il y a du vert, il y a du transparent, il y a du noir classique, il y a du vert, il y a un petit rose, un petit marron et des plus grosses transparentes. Voilà, donc c'est vraiment tout simple, hein. C'est vraiment top. Je le ferai avec vous en vidéo. Quand ça sera le moment où j'aurai besoin d'un carnet. Donc ce carnet sur le site de DIY Shoes était affiché au moment de la section à 7,49 $. Donc on va dire à peu près 8 euros. Donc c'est vraiment pas cher du tout pour un carnet et ça sert énormément. Donc moi j'adore les choses utiles. Voilà. Voilà pour celui-là. Voilà. Et donc maintenant on passe au produit point de croix. Donc ça c'est pour moi. Je vois déjà que c'est méga confetti, mais c'est un visuel que j'adore. Visuel que j'adore. Et c'est celui-là. Voilà, j'adore. Je l'ai vu sur la chaîne de Jackie. Et j'ai craqué. Je l'avais déjà dans mes. Je l'avais déjà dans mes sélections. Et donc je vous montre le visuel. Donc ça c'est super. Quand je le ferai, je le mettrai dans mon cahier de suivi. Ça c'est nickel. Impeccable. Donc le patron, donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est sur un papier assez glacé. Il est très petit parce que par rapport à ma main. C'est très confetti. Je vous approche. Mais ça va super bien rendre. Maintenant que je sais bien faire le point d'arrêt.
Et ben, ça c'est un petit, ça sera une toile challenge. Donc, vous avez l'image ici. Là, il y a la table des matières. Il y a 36 couleurs quand même, avec les symboles, les DMC et la couleur réelle des fils. C'est une 40 par 50 et je crois que c'est du 11CT. Que c'est vrai qu'il le note pas, c'est dommage. Là, vous avez la petite feuille explicative, comme d'habitude. Oh là là, les couleurs. Vous avez deux aiguilles plantées ici. La toile n'est pas surjetée. Donc, elle risque de s'effilocher. Et voilà la toile. Donc, c'est quand même assez confetti. Voilà, je vous montre. C'est bien imprimé. Je vous approche. Ouais, c'est assez confetti. Ça sera ma première toile vraiment, vraiment confetti. Mais j'aime bien. Donc, j'aime bien l'image. Donc, ça ne va pas me décourager. Voilà. Ça durera un peu plus longtemps. Donc, les fils maintenant. Ah, ça se présente. Alors, je démêle un peu tout ça. Mais les couleurs, waouh! C'est vraiment superbe. Alors, c'est la cartonnette, c'est comme ceci. Et donc, tout dans les teintes de violet, rose, bleu. Là, je vous montre. Donc, voilà pour le premier côté. Regardez-moi ces couleurs, quoi. Et de l'autre côté, voilà. C'est vraiment top, top, top. Voilà, regardez-moi ce bleu foncé là. J'espère qu'avec la luminosité, ça ira. Mais franchement, oh, magnifique. Voilà, et donc cette belle toile sur le site de DIY Shoes, elle était affichée au moment de la sélection à 7,49 $. Presque 10 euros. Mais c'est une 40 par 50, méga confetti. On va prendre du temps à la faire. Et voilà, on va prendre du plaisir. Donc voilà pour cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Je remercie encore une fois DIY Choose de m'avoir fait confiance pour ce partenariat. Voilà les deux articles que j'ai présentés. Je vous mettrai les liens en barre de description. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me suivre dans mes vidéos et ne pas louper mes prochaines vidéos. Voilà, sur ce, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!